Salut, voilà, c'est toujours moi, Samos Pita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur Le Russe 225, comme d'habitude, voilà. Et excusez-moi si je n'ai pas fait de vidéo depuis avant-hier, voilà. En fait, c'est un peu la fatigue, et puis voilà, puis avec tous les courses que nous faisons, c'est un peu compliqué, mais nous faisons l'effort de vous donner les informations pour que vous puissiez postuler, parce que les dates sont tellement proches, voilà. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu rapidement pour vous aider, pour pouvoir postuler. Alors si nous faisons ces efforts, vous aussi vous devez faire quoi? Vous devez vraiment faire l'effort de pouvoir postuler, voilà, pour nous faire plaisir, voilà, parce que si nous faisons ça, c'est à cause de vous, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'était ça mon hôpital. Aujourd'hui nous allons présenter une bourse qui n'est plus à présenter, voilà. Je vais vous dicter une bourse qui n'est plus à présenter, et cette bourse c'est la bourse du Japon, voilà. C'est une bourse qui vient chaque année, voilà. Et puis mais cette année, ils ont essayé de donner un peu des directives qui sont un peu plus claires. Voilà, vous savez toujours, c'est à cause du cas du coronavirus. Donc, pour prendre plus de précautions, ils ont essayé de donner des éléments que vous devez vraiment suivre. Donc, on va aller dans le but du sujet, c'est quoi? Sachez que la bourse, c'est chaque année, et cette bourse, elle est vraiment très complète. Voilà, cette bourse, elle est complète en ce qui concerne l'assurance maladie et tout ça là-bas au Japon. Et puis l'hébergement, et puis aussi... Qu'est-ce qu'il va dire? Le transport, c'est-à-dire le billet d'avion, tout ça, c'est vraiment garanti. Voilà, cette bourse, tout le monde la connaît. C'est une bonne bourse, et puis c'est une bourse qui tient vraiment ses promesses. Voilà, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui sont allés là-bas pour aller étudier. Donc, comme je le disais, c'est une bourse qui est vraiment complète. Et puis voilà, pour pouvoir postuler à cette bourse, c'est très simple. Et puis, il y a des documents à fournir. D'abord, dans un premier temps, il faut d'abord avoir... L'application form, c'est un élément que vous allez trouver sur le site. Tout à l'heure, quand je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule, vous allez voir, je vais vous montrer l'application form. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu les éléments qui sont dessus pour pouvoir postuler. Voilà, donc il y a l'application form d'abord dans un premier temps. Et dans un second temps, vous devez aussi donner tous les relevés et diplômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, bon, je prends le cas d'une personne qui va pour la licence, parce que vous savez que la licence, c'est ce qui est un peu plus large. Voilà. Le vrai cursus scolaire, même, c'est la licence. Vous comprenez? Donc, la licence, c'est ce qui est un peu plus large. C'est pourquoi, chaque instant, quand je veux faire une vidéo, je prends la licence, parce que là-bas, c'est un peu plus large. Le master et le doctorat, c'est un peu plus coincé. Il n'y a pas assez de choses, vous comprenez? Voilà. Donc, je prends la licence. Pour une personne qui part postuler pour la licence, d'abord, vous devez par exemple comme ça donner votre diplôme de baccalauréat, voilà, que vous avez, et le relevé. Aussi, vous cherchez des relevés qui datent de la seconde jusqu'à la terminale. Voilà, donc j'espère que vous comprenez bien. Donc, vous cherchez des relevés qui datent de la seconde jusqu'à la terminale, voilà, et du diplôme. Maintenant, pour une personne par exemple comme ça qui n'a pas encore eu le diplôme, voilà, je vais essayer de vous expliquer, mais je sais que vous allez encore venir me demander encore en inbox, parce que tout ce que j'ai dit ici, vous venez encore me demander en inbox les mêmes choses que j'ai dit, vous me reposez encore les questions en inbox. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Donc, vous comprenez. Donc, quand c'est comme ça, je ne sais pas si je dois laisser les autres pour vous répondre, parce que quoi que j'ai déjà dit, donc suivez bien la vidéo avant de venir poser les questions. Vous suivez bien la vidéo, et quand vous posez une question qui est vraiment permanente, qui est vraiment pertinente, je vais vous répondre un peu plus facilement. Comprenez. Voilà, donc pour tous ceux que je n'ai pas encore répondu, essayez de voir un peu les questions pour pouvoir les postuler. Donc c'est un peu ça. Donc, dans un premier temps, l'application form, et dans un second temps, vous allez envoyer quoi? Les diplômes, voilà, le diplôme du baccalauréat. Ça, c'est pour celui qui va pour la licence. Les diplômes du baccalauréat et les relevés de la seconde à la terminale. Voilà. Maintenant, pour une personne qui n'a pas encore eu de quoi? De diplôme, qui est toujours en terminale. Voilà, donc cette personne va postuler sous forme quoi? Sous couvert du baccalauréat. Vous comprenez, ça veut dire que vous n'avez pas encore le baccalauréat, vous allez postuler sous couvert. C'est à dire que lorsque vous allez avoir le baccalauréat, ils vont associer, et vous allez avoir la bourse, vous allez avoir le baccalauréat, ils vont associer et partir. Maintenant, si vous avez la bourse et que vous n'avez pas le baccalauréat, voilà, c'est annulé. Et quand c'est annulé comme ça, ils prennent ceux qui sont sur liste noire. Il va dire quoi? Liste, sur liste, voilà, sur une liste d'attente, et ils vont les ajouter, et on vous remplace parce que vous n'avez pas eu le bac. Vous comprenez, voilà. Donc, pour ceux qui sont encore qui sont en année de bac, en année de baccalauréat, c'est-à-dire en terminale, ils envoient quoi? Ils envoient les relevés de la seconde, première, terminale, premier trimestre, ou bien peut-être premier semestre, voilà. Et pour prouver vraiment que vous êtes en terminale,
vous allez chez votre proviseur, si vous voulez votre proviseur ou bien votre éducateur, voilà, vous y allez et vous demandez un certificat de fréquentation. Voilà, le certificat de fréquentation, quand il va écrit, quand vous allez lire, vous allez comprendre que c'est juste pour signifier que vous êtes vraiment en terminale cette année et que cette année vous allez passer le bac. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous associez et dans un troisième temps, voilà, une lettre de recommandation. Donc, une lettre de recommandation, ce que moi je vous conseille et ce que aussi le site va vous conseiller, c'est quoi? C'est de prendre une lettre de recommandation venant d'un professeur ou voilà, d'un professeur de votre lycée, voilà, ou bien d'un prof, un docteur de votre université, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc vraiment prenez un professeur de votre université, de votre université ou bien de votre école. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je reprends, il y a le formulaire de demande qui est en ligne, je vais vous montrer comment est-ce qu'on remplit. Voilà, et il y a aussi la lettre de recommandation et il y a aussi les diplômes, c'est-à-dire la seconde à la terminale, voilà. Et ceux qui n'ont pas aussi le diplôme, ils suivent ça avec un certificat de quoi? Au lieu de prendre, au lieu d'ajouter le diplôme, vous envoyez un certificat de fréquentation, voilà, qui dit que vous êtes vraiment en terminale. Voilà, et en plus de cela, il y a le certificat médical. C'est ce qui est très important pour eux. Voilà, vous savez déjà, parce qu'à cause de cette crise sanitaire. Donc, le certificat médical, ils ont déjà leur format. Avant, on faisait le certificat médical dans une clinique et puis on venait leur donner. Non. Maintenant, ils ont leur format. C'est sur le site. Voilà, vous téléchargez le format. Vous allez voir ce que les différentes maladies qu'ils ne veulent pas voir sur vous. Vous prenez ce format, vous allez dans une clinique, ils vont vous examiner par rapport aux éléments qui sont sur la liste. Vous comprenez? Voilà. Donc, par rapport aux éléments qui sont sur la liste, une fois que vous prenez la liste, vous allez, c'est hépatite B, c'est tuberculose et tout ça, VIH, SIDA, ils vont vous examiner et le docteur, il va cocher, il va signer, il va remplir, il va tout faire. Voilà. Si c'est pas un docteur qui est vraiment, il sait pas, ça sera pas valide parce que c'est très important pour eux. Donc, ne prenez pas un certificat médical ailleurs. Non, le certificat médical se trouve sur le site, vous allez télécharger et aller dans une clinique. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, je le répète très bien, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore eu de diplôme, si vous êtes en terminale ou bien en licence 3, voilà, ou bien en master 1, pour prouver que, ou bien en master 2, pour prouver que vous allez faire, par exemple, vous allez avoir le diplôme cette année, vous devez avoir une lettre de ou bien un certificat de fréquentation qui dit que vous êtes vraiment en dernière position, en dernière classe et que vous allez passer le bac ou bien vous allez avoir le diplôme cette année. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que je voulais signifier, c'est quoi? C'est que vous devez, par exemple, vous savez, maintenant, il y a des dates, les dates ne sont pas identiques. Voilà, les dates que vous allez trouver chez le pays voisin n'est pas la vôtre. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur le site, vous allez avoir votre date limite, voilà, et vous allez signifier ces problèmes en fonction de la date limite. Donc quand vous allez finir de remplir tout ça, soit vous allez voir les coordonnées. Donc je suis en train d'expliquer avant de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on postule. Voilà, donc vous allez comme ça voir sur le site, il y aura des informations qui concernent l'ambassade de votre pays. Voilà, si vous voulez vous envoyer vos documents à l'ambassade de façon numérique ou bien vous allez là-bas à leur bureau, voilà, parce qu'il y aura les adresses à leur bureau et vous allez déposer. Et lorsque vous allez déposer, ils feront comme ça des aménagements, c'est-à-dire des révisions de vos dossiers. S'il y a un dossier qui manque, ceux qui auront les dossiers qui vont manquer, ça sera automatique, ils vont mettre vos dossiers à côté, ils vont même pas vous examiner vos dossiers. Voilà, donc les dossiers, quand vous les remplissez, en fonction du tableau que je vais vous montrer tout à l'heure, voilà, en fonction du tableau que je vais vous montrer tout à l'heure, vous aussi vous cochez les éléments, c'est-à-dire en premier lieu comme ça, c'est quoi? C'est l'application form. Donc comme c'est l'application form, vous notez comme ça, 1, vous notez 1, c'est-à-dire voici la page qui est là, voilà, la page de l'application form. Donc une fois que vous finissez de remplir, vous mettez 1 juste dans le corner, c'est-à-dire juste en bordure, voilà, où il y a l'élément perpendiculaire, le bord de l'affiche, si je l'ai bien dit, le bord de l'affiche, vous mettez 1.
En second lieu, ce sont quoi? Ce sont les diplômes. Donc les diplômes vous mettez deux et les diplômes vous mettez ensemble. Ce sont les diplômes vous mettez deux. Maintenant, ce que moi je veux vous dire, il faudrait être bien organisé par rapport à ce que eux veulent. Lorsque, par exemple, donc notez bien, n'oubliez pas, lorsque vous allez soumettre vos dossiers, si c'est l'état physique ou bien électronique, vous allez les originaux, vous allez les mettre ensemble et les copies, vous allez les mettre ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme, par exemple, l'application form, vous allez remplir, ça sera l'original. Et quand vous allez tirer, ça sera une copie. Vous comprenez? Voilà, donc c'est à vous de voir. Maintenant, le diplôme de baccalauréat, vous avez l'original, vous allez photocopier. Maintenant, lorsque vous photocopiez, ça sera peut-être en couleur comme ça. Et la copie, lorsque vous allez tirer aussi, ça sera en blanc noir ou bien en couleur. Mais vous mettez les originaux ensemble et les copies aussi ensemble. C'est-à-dire quoi encore? Le certificat médical ou bien la lettre de recommandation, quand ils vont écrire, ça sera vraiment l'original. Voilà. Et vous faites aussi une photocopie. Donc vous mettez les originaux ensemble et vous mettez aussi les copies ensemble. Mais de toute façon, n'oubliez pas de signifier les numéros 1, 2, 3, 4. Par rapport au numéro, vous allez voir ces numéros-là dans le tableau que je vais vous montrer. Comme ça, vous allez mieux les spécifier. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce que je vais dire. Donc, une fois que vous allez, par exemple, comme ça, leur envoyer vos dossiers, ils vont vous envoyer un mail. Voilà. Et ce mail, on considère que vous avez déjà choisi la matière que vous voulez faire. Et si, par exemple, vous voulez faire des sciences et un truc comme ça, vous allez voir les sciences mathématiques vous allez voir les dossiers dans lesquels vous allez composer. Ça, c'est pour ceux qui seront retenus. Vous allez voir les dossiers dans lesquels vous allez composer, les matières dans lesquelles vous allez composer. Si c'est sciences mathématiques, peut-être vous allez faire japonais. En tout cas, tout est sur le site. Vous allez voir, ça sera quoi? Japonais, sciences mathématiques et puis physique. Voilà, et puis un truc comme ça. Maintenant, ceux qui veulent faire la littérature aussi, ça sera quoi? Japonais et puis voilà, philosophie et français, un truc comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Quand vous allez aller sur le site, vous allez voir les matières dans lesquelles vous devez composer. Donc, par rapport à ces matières, vous allez choisir votre filière et vous allez composer par rapport à cela. Quelques règlements et comment est-ce que vous devez remplir votre formulaire. Donc, à tout à l'heure et on y va. Ok. Donc les gars, voici ça, voici le site qui est là. Voilà, je vais mettre le lien en commentaire, comme ça vous allez voir. Vraiment, regardez bien le lien, c'est toujours en première position. Donc c'est le site qui est là. Ok, donc pour ce site, voilà, voici le formulaire dont je parlais ici. Voilà, c'est le formulaire qui est là. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que je disais ici. Vous voyez là, ça, ce sont les documents que vous devez avoir. Voilà. Vous voyez l'original et la copie. Et n'oubliez pas les originaux ensemble et puis les copies aussi ensemble. Maintenant, voici les numéros dont je parlais. Voici les numéros qui sont là. Voici ça. Numéro 1, 2. Voilà. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Voilà. Il y a des éléments ici qui ne concernent pas plusieurs personnes. Voilà. Comme par exemple le certificat of University Enrollment Qualification Examination. Ça, c'est pas vraiment. Parce que la plupart, c'est vous êtes de façon indépendante. Donc ici, certificat of enrollment, tu vois, non? Tout ça, c'est pas la peine. Mais il y a des personnes aussi qui doivent envoyer ça. Bon, chacun connaît sa position. Il y a des éléments ici que vous ne devez pas toucher. Mais les éléments les plus importants, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo au début. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, je vais monter un peu là pour voir. Voilà, tout ça, ce sont des éléments que vous devez savoir. Voilà. Et ici, c'est ce que je disais. Ici, par exemple, si vous choisissez l'option A, par exemple, qui est là, voilà, qui représente la littérature et tout ça. Et l'option B, qui représente quoi? Qui représente la science et puis les éléments sociaux. Donc, ici, si vous prenez le A, voilà, il y a plusieurs types. Il y a ceux-là. Il y a aussi Electric and Electronic Study. Voilà, il y a par exemple, si vous prenez Mechanic Study, vous allez faire
mécanique, mechanical engineering ou bien naval architecture. Vous voyez un peu. Voilà. Et vous allez composer dans ces matières-là. Il y a des matières qui vont vous proposer comme ça. Vous allez composer dans ces matières. Voilà. Donc, vous allez choisir ici. Si vous choisissez, par exemple, je vais venir un peu vers le bas. Voilà. Donc, ceux qui vont prendre la partie C, comme ça, ils vont faire soit la médecine ou bien, voilà, être dentiste. Voilà. Et le B, vous allez choisir soit les éléments qui sont là. Voilà. Donc, quand vous allez choisir, ils vont vous directement, ils vont vous dire les matières dans lesquelles vous devez composer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous dire. Et sachez que cette bourse est vraiment très complexe. Donc, n'ayez pas de crainte. Voilà. Et donc, nous venons directement sur notre site qui est là. Donc, voici le formulaire de demande. Et voici le certificat de santé. Et ça, vous allez prendre ce qui est là. Et le certificat de santé, je vous ai déjà dit, le certificat de santé, il faudrait que vous... qu'est-ce que je vais dire? Il faudrait que vous faites les examens selon ce que eux ils demandent. Voilà. Et voici une lettre, l'exemple de la lettre de recommandation qu'ils veulent. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple. La lettre de recommandation. Voici la lettre. C'est comme ça qu'ils veulent leur lettre de recommandation. Donc, c'est pas à vous d'écrire votre lettre de recommandation. Donc, prenez leur lettre de recommandation. Et puis, voilà. Vous allez remplir les éléments qui sont là. Et c'est tout. Alors, et ici aussi, pour le formulaire de demande. Voilà. Le formulaire de demande, ce que je voulais préciser, c'est quoi? Vous pouvez télécharger et remplir de façon manuscrite. Vous pouvez aussi remplir directement. Voilà. Et après, télécharger pour ceux qui veulent... après, imprimer pour ceux qui veulent aller déposer à l'ambassade de façon numérique. Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Comment est-ce qu'on remplit un peu, soit peu, pour que vous sachiez au moins ce qui vous attend. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais essayer de vous aider comme ça. Vous allez pouvoir, voilà. Donc si je finis pas aussi, parce que si la vidéo est trop longue, ça ne m'arrange pas. Donc si je finis pas aussi, vous pouvez finir vous-même. Voilà. Donc c'est un peu ça ici. Et lorsque, parce que il y a des fois, lorsque vous tirez les dossiers, lorsque vous pensez que vous voulez imprimer, il y a des parties qui ne sortent pas bien. Donc regardez tout ça, regardez bien avant de pouvoir les tirer. Donc ici le prénom. Ici, le nom, le prénom, vous remplissez le nom et le prénom. Donc, moi, je vais, vous savez déjà, voilà. Ça, ce ne sont pas mes noms, c'est juste des manières de pouvoir les écrire, pour pouvoir vous aider. Voilà, donc ici, le genre masculin ou féminin. Donc, masculin ici, voilà. Statut matrimonial, marié ou pas, ou célibataire. Si tu es marié, tu coches là. Si tu es célibataire, tu coches là. Voilà. Et la nationalité, ici vous mettez ivoirienne, c'est Côte d'Ivoire, donc ivoirienne. La nationalité ivoirienne, si c'est du Gabon, la nationalité gabonaise. Voilà, c'est Cameroun, la nationalité camerounaise. Voilà. Et ici, est-ce que vous avez une nationalité japonaise? Non. Voilà. Et ici, on dit quoi? On dit la date de naissance. Vous mettez ici, ils ont mis l'année, ici le mois et puis ici le jour. Voilà. Donc, ici l'année. Par exemple, imaginons que je pars pour la licence. Donc, je vais mettre 2002. Voilà, au minimum. Et puis, donc, ce que je voulais aussi dire... pour pouvoir postuler à cette bourse, voilà, comme j'ai vu la date, je me suis rappelé de ce que je devais vous dire, parce que c'est très important. Pour pouvoir postuler à cette bourse, il faudra être âgé. Pour ceux qui vont faire la licence, il faudra être âgé de moins de 25 ans. Voilà, et pour ceux qui veulent faire le master, il faudra, ou bien le doctorat, il faudra être âgé de moins de 35 ans. Voilà, donc n'oubliez pas ça. C'est très, très, très important, parce que sans ça, ce n'est plus la peine. Donc, 2002, dans quel mois? Deuxième mois et puis le jour le 21. Ok, donc ici âge, vous avez quel âge? Ok, donc on va calculer ensemble. Si je suis né en 2002 et que nous sommes en 2022, je vais avoir par exemple
2022, je dois par exemple avoir 24 ans, je crois. Voilà, plus 20 2022 24 ans, donc 23 ans. Donc en 2021 tu as 23 ans ici, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, à cette date là, à cette date, il faudra pas dépasser les 25. Voilà, donc 23 ans. Et adresse, l'adresse que vous avez au pays, c'est quoi? Pour moi c'était quoi? C'était ici, c'était au quartier Sèche-Cassis. Pogoué. Appartement 4. Voilà. Et le pays, Côte d'Ivoire. Ok, donc on peut avancer. If you currently reside in Japan, what is your current address status? Ici, vous ne résidez pas au Japon. Ça, c'est pour ceux qui résident au Japon. Voilà, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent là. Vous ne résidez pas au Japon. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Et ici, on dit quoi? On dit an applicant with permanent residence or long-time resident status must change his status to student if selected. Be aware to that application for the original status after student status is a prior may not be necessarily approved. Voilà, ça c'est pour ceux par exemple qui sont déjà là-bas et qui postulent. Voilà, ici your address before departure for Japan. Si votre adresse, on vous demande quelle est votre adresse avant d'aller au Japon. Si votre adresse est identique à ce qui est en haut là-bas, vous cochez là. Voilà, si ça diffère, vous pouvez cocher là et vous mettez le pays. Voilà. Si ça diffère, par exemple, si c'est différent de ce qui est en haut, c'est-à-dire si c'est différent de ce qui est ici, voilà, vous mettez là aussi, vous mettez ça ici. Mais si c'est identique, vous cochez là. Si ça diffère, vous écrivez ici. C'est-à-dire vous cochez ici et vous écrivez là. Voilà. Donc j'imagine que avant de venir, j'ai changé de ville. Je suis allé à Cocody. L'adresse, votre adresse, vous devez savoir votre adresse. N'oubliez pas l'adresse, vous devez forcément savoir. Cocody ici. Cocody Abidjan. 124, 123. Voilà, ça dépend de vous. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, Côte d'Ivoire. Si vous avez changé d'adresse, vous écrivez là. Mais si vous n'avez pas changé d'adresse et que c'est identique, vous cochez ce qui est là. Et c'est tout. Et vous ne remplissez pas ici. Ok. La suite, on dit quoi? On dit if the current address will be changing at the time of leaving from your country, please check the box, the above country address will be changing as following or the specify the new address. If the current address will not be changed, check the box of the same as the above. Donc c'est ce qu'il disait. Voilà, c'est ce que ils ont essayé de nous expliquer un peu ici. Voilà, si ça ne change pas, vous cliquez ici, ça change, vous cliquez là et vous remplissez ici. Voilà, ici on dit if your address before departure of Japan is outside your home country, do you understand that an airline ticket to Japan will not be provided? Ici, on vous dit que si par exemple vous avez rempli, vous avez dit que vous êtes en Côte d'Ivoire alors que vous êtes au Ghana et que vous remplissez, alors vous devez savoir que votre billet d'avion, ils ne pourront pas vous envoyer votre billet d'avion. Est-ce que vous savez cela? Si vous savez cela, alors oui, vous comprenez. Ok. Name of Japanese diplomatic office where you apply the visa. Ici, donc c'est ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Donc ceux par exemple qui sont au Togo ou bien au Burkina Faso, vous devez mettre ici aussi parce que vous avez le même ambassadeur que vous avez le même ambassadeur que la Côte d'Ivoire. Donc vous devez ici cocher ici, voilà, pour ne pas faire de faute. Donc c'est ici, c'est quoi? C'est ambassade du Japon
en Côte d'Ivoire. Donc je répète, les éléments, les étudiants qui sont au Togo ou au Burkina Faso, vous avez l'ambassade identique à la Côte d'Ivoire. Donc vous devez mettre ceci, ambassade du Japon en Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas que vous allez prendre votre visa. Voilà, donc n'oubliez pas cela. Ok, donc ici on dit phone number plus 825. Ok, n'oubliez pas de mettre votre email, parce que c'est par là qu'ils vont envoyer vos éléments si vous êtes sélectionné pour aller passer le test. Voilà, donc vous mettez l'email qui est valide. Voilà. Ok. Ici on dit quoi? You are suggested to write an email address that you can use continuously before, during and after you stay in Japan. Voilà, donc c'est ce qui est là. Vous mettez ça. Et nous arrivons où ça? Ici. Present structure. Vous êtes par exemple actuellement où vous postulez. Vous êtes toujours élève ou bien vous êtes employé ou bien autre. Voilà, vous êtes élève ici. Alors si c'est, si par exemple vous êtes en terminale, vous mettez votre lycée là. Mais si vous êtes à l'université, c'est à dire pour ceux qui ont fait le master, c'est à dire ils ont eu la licence, vous mettez votre université là. Donc nous, comme nous venons pour faire quoi, pour la licence, nous allons mettre le lycée où nous avons eu le baccalauréat. Donc lycée municipal de Kumasi. Donc on considère que c'est là que vous avez eu le baccalauréat. Donc vous mettez ça. Maintenant pour ceux qui viennent faire le master ou mettre l'université par exemple, où ils ont eu leur diplôme de licence. Voilà. Maintenant si vous êtes employé et que par exemple vous postulez à cette bourse, vous postulez par exemple parce que la plupart de ceux qui vont postuler pour le doctorat, voilà, peut-être qu'ils travaillent et tout ça, donc vous mettez, vous cochez là travail et vous mettez où vous travaillez ici. Voilà, mais nous ce n'est pas notre cas, donc c'est pas un souci. Ok, ici on dit specialized file of study in high school or university. Donc ici, quel est votre domaine d'études par exemple. Voilà, si vous faites les mathématiques et applications, vous mettez là. Si vous faites la physique, vous mettez là. Ceux qui font l'économie, vous mettez là. Maintenant, ceux qui sont par exemple en terminale, parce que nous qui sommes en terminale par exemple, vous mettez soit si c'est une série C, vous mettez mathématiques et physique. Si c'est une série D, vous mettez mathématiques et sciences naturelles. Et si c'est une série littérature, vous mettez là la littérature, voilà, et c'est tout. Donc ici, comme c'est série C qu'il y avait fait, je vais mettre par exemple comme ça, mathématiques et physique. Voilà, mathématiques et physique. Ici, vous devez tout lire, voilà. Vous devez tout lire, tout ce qui est là. Et là, ici, vous allez essayer de remplir avec vos éléments que vous avez. Par exemple, si par exemple, vous venez pour... nous, actuellement, je remplis pour la licence, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme je remplis pour la licence, je vais essayer de mettre les éléments, les diplômes que j'ai eu ici. Voilà. Donc, ici, on dit quoi? Primary school, ça c'est si vous avez votre BPC, vous mettez là, voilà, votre BPC, c'est-à-dire votre diplôme de primaire, vous mettez ça là, voilà. Donc après ça, vous mettez le nom de l'élément ici de l'école, le nom de l'école où vous avez fait le primaire. Donc moi, je vais prendre par exemple EPP Assini, comme ça, Assini Sabadou. Bon, je vais mettre Sabadou, Assini 1A, comme ça. Et province, je mets Adjaké. Voilà. Et vous avez étudié là-bas quand?
vous avez commencé, par exemple, votre EPP, en quel moment? Voilà, je considère que j'ai commencé en 97, peut-être. Vous regardez un peu sur votre diplôme et vous remplissez. Voilà. Donc ici, l'année et le mois. J'ai commencé là-bas en 1997. Et le mois, je vais prendre le mois d'octobre qui est quoi? Août qui est 8e mois. Ok. Et j'ai fini en quelle année? Ici, City Assini. Ok. Et j'ai fini en quelle année? J'ai eu cela en 2004, je crois. Je ne sais pas, 2004. J'ai eu le diplôme ici en 2004. Donc, 2004. 2004, l'année, et c'était en juillet. Juillet, c'est 7e mois. Voilà. Juillet, c'est 7e mois. Et ici, Ross Condor School, Metro Junior High School. Voilà, si vous avez un autre, vous mettez là. Ok. Et ici, Upper Secondary Education, Senior High School. Voilà, vous mettez ici. Ici, après le CEP, vous venez ici, vous mettez le BPC. Voilà. Le BPC, je l'ai fait où ça? Le BPC, je l'ai fait à Pauboué. Donc, lycée. Lycée. Lycée moderne de Pauboué. Voilà, et c'était où? C'était province Abidjan. Ou bien province, bon, je vais mettre Abidjan. Voilà, ville aussi Abidjan. Ok, et quand est-ce que j'ai commencé là-bas? J'ai commencé, j'ai eu le BPC, j'ai commencé la 6e en 2004 ou 2005. Voilà, donc ici je mets 2005. Ok, donc 2004, puisqu'il y a eu le CP en 2004. Et puis ici, ah, j'oubliais. J'oubliais, voilà, c'est vraiment, c'est pas très malin comme ça de remplir, parce que j'ai mis comme ça que je suis né en 2002. Voilà, j'ai mis comme ça que je suis né en 2002. Alors je vais changer les éléments qui sont là. 2002 plus 6 plus 6 ans, 2006. Voilà, 2006, de 2006, j'ai fait peut-être 7 ans ou bien 6 ans, donc ça fait 2012. Voilà. Et ici le lycée, par exemple, je fais le lycée en 2012 aussi. Ça, j'ai fait en fonction de l'âge que j'ai, de l'âge que j'ai mis. Voilà, n'oubliez pas. Voilà, 2012, 4 mois. Et j'ai eu le, puisque le BPC c'est en 3 ans, donc en 2015 tu dois l'avoir cela. En 2015, en juillet 2015. Voilà. Donc ici, après cela, on vient là. Ici, c'est ici, par exemple, c'est Upper Secondary School Education. Donc le baccalauréat, le diplôme du baccalauréat, je l'ai eu au lycée municipal. Municipal de Kumasi. Municipal de Kumasi. Voilà. Et c'est où? Ça, c'est Abidjan. Ici aussi, Abidjan. Ok. Et quand est-ce que tu as fait le lycée? Ici, c'est le collège. Ici, c'est le lycée. Donc, ici, c'est en 2015. De 2015. On a commencé en septembre. Septembre c'est 9e mois. Ok. Et je l'ai eu en, par exemple, ça doit faire aussi 3 ans, je crois, de la seconde à la terminale, 3 ans. Donc 2018. 2018.
1 juillet. Voilà. Et une fois que vous finissez, ici, nous qui venons pour le master's, par exemple, comme ça, voilà, nous qui venons pour le master's, pour la licence plutôt, excusez-moi, nous qui venons pour la licence, voilà, c'est tout. Maintenant, ceux qui viennent pour le master's, ils doivent remplir aussi ici pour la licence, voilà, ils mettent ici la licence. Voilà, nous venons pour la licence, alors, ok, vous avez eu ce diplôme dans combien d'années? En 6 ans, ouais, 6 ans. Voilà. Et ici, vous avez eu, si vous avez fait les, vous avez repris des classes, vous mettez ici 7 ans, bien 8 ans. Et ici, il y a eu aussi en 3 ans. Voilà. Et ici, en ce qui concerne le baccalauréat, vous l'avez eu peut-être en combien d'années? Au lieu de 3 ans, si c'est 4 ans, vous mettez 4 ans. Si vous êtes doublant, vous avez repris des classes, vous mettez 4 ans. Voilà. Et une fois que, voilà. Donc ici, graduate. Graduate. Ici, vous mettez graduate. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en voie d'avoir le baccalauréat, vous prenez ce qui est là. Voilà. Mais nous sommes déjà gradués, donc on met là graduate. Voilà, nous avons déjà le diplôme, on met là graduate. Voilà, donc ici, des remarques, si c'est mention, ici, vous mettez mention. Mention quoi? Mention bien. Voilà. Mention bien. La suite ici, si vous avez une mention aussi, vous mettez passable. Si c'est passable, vous mettez passable. Voilà. Ici, vous avez une mention, vous mettez mention aussi bien. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ici aussi, ici la licence, vous avez une mention, vous remplissez ici pour la licence. Voilà. Aussi, on est total years of school attending for. Ok, total here. Vous avez fait combien d'années à l'école? Il c'est 10, 13. Donc, 13 ans. Ok. Vous avez fait 13 ans avant d'avoir le baccalauréat. Ici, on dit quoi? On dit, you may use this space if the space of the above remark complete is insufficient. On dit d'utiliser cette partie si, par exemple, les éléments que vous avez mis là, les remarques ne sont pas suffisants. Vous devez mettre là. Voilà, mais c'est déjà suffisant parce que je crois que ça sera suffisant parce que bien et passable et tout ça, c'est pas aussi beaucoup. Ok, donc on continue. Have you ever been awarded a Japan government makes scholarship in the past? If yes, you are not eligible to apply. On demande, est-ce que vous avez déjà eu cette bourse du Japon? Si c'est oui, alors c'est pas la peine de continuer. Voilà, donc nous c'est non. Et ici on dit are you applying for any other Japanese government scholarship? Is it not allowed to apply to other scholarship government? Ici aussi c'est non. Voilà, n'oubliez pas. Après cela, qu'est-ce qu'on dit ici? Are you receiving or should you to be receiving any scholarship from any organizations and others than the Japanese government, including an organization of your home country government, together with the next scholarship? Est-ce que vous avez déjà eu, à part cette bourse, est-ce que vous avez déjà eu une bourse ailleurs? Vous mettez non, parce que si vous c'est oui, ils vont vous disqualifier sur le champ. Voilà. If yes, Do you understand? You must cancel other scholarship. Vous comprenez? Voilà. Si c'est non, si c'est oui, vous allez abandonner. Voilà. Ils vont vous disqualifier. Voilà. Ici, j'ai pas d'ici. Donc ici, on vous pose la question. Oui, vous savez. Donc c'est yes. Vous cochez ici. Voilà. Name of sponsor, period and amount of the scholarship. Ici c'est si vous avez reçu une bourse, voilà, vous mettez là. Voilà, mais quand vous n'avez pas reçu de bourse, alors c'est pas la peine. Voilà. Donc ici on dit quoi? Preferred file of study and major element. Ok. Select from the annex major and red key terms of field of study. First choice. Donc c'est à vous de voir ici.
pour remplir ce qui est là, vous devez vous familiariser avec ce qu'on avait fait ici. Voilà. Ce formulaire, vous allez l'avoir sur le site. Voilà. Donc pour pouvoir, vous devez faire vos choix ici. Si vous allez pour Social Science and Humanities A, sachez que vous allez composer en quoi? En japonais, anglais et puis mathématiques. Maintenant, si vous allez pour les sciences naturelles, vous allez composer en japonais, anglais, mathématiques, chimie et puis physique. Et si c'est les deux, en sciences B ou en sciences C, vous allez composer dans ces matières-là. Voilà, donc c'est à vous de voir. Nous, par exemple, comme ça, comme j'ai fait les sciences mathématiques, je crois que c'est ce qui est là. Maintenant, ceux qui ont fait la série D, peut-être qu'ils veulent faire ça. Voilà, vous pouvez prendre. Voilà, ou bien vous pouvez prendre ça aussi. Donc, vous allez faire votre choix. Le choix, c'est quoi? C'est Natural Science A. Voilà. Donc, c'est le premier. Natural Science A. Donc, ici, premier choix. Ici. Natural Science A. Donc, Natural Natural Sciences A. Ah. Ok. Donc, ici, quel est l'élément majeur que vous voulez faire? C'est quoi? C'est les mathématiques. Mathématiques. Voilà. Et le second choix aussi, vous pouvez choisir autre élément. Un second choix, c'est-à-dire ici, instant, natural. Vous pouvez prendre aussi l'élément. Par exemple, Natural Science B, et vous allez remplir aussi, ici, ce sera quoi? Ce sera mathématiques, l'élément principal. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Maintenant, une fois que vous finissez ici, on nous dit quoi? Applicants will file H. Other file only in the above first to third choice must choose a subject chemistry or physics. For writing academy examination. Donc on dit ceux qui vont choisir par exemple le H. Le H c'est quoi? Le H, je crois que c'est ceux qui vont faire la littérature, je sais pas. Ceux qui vont choisir le H. Où est le H? Le H c'est dans les groupes qui sont là. Ceux qui vont prendre parmi les H. Je vous montre par exemple comme ça les éléments du H. Ok. Ici. Les éléments du H. Ceux qui vont choisir les éléments du H, forcément ils doivent choisir soit chimie ou physique pour pouvoir lors de leur passage. Voilà, mais nous on n'a pas choisi cela, donc ok, je vais continuer. Je voulais vous montrer l'élément H, mais je vais continuer. Voilà, donc ici, reason for selection of field of study and module element. Specify the reason why you selected each field of study and module element in section 14. On vous demande comment, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces éléments là. Voilà, donc ça sera à vous de les spécifier. Voilà, j'ai choisi parce que j'ai fait un baccalauréat par exemple en mathématiques. Voilà, ou bien j'ai choisi parce que j'aime les mathématiques, voilà, vous essayez d'expliquer ici. Ok, what was the trigger for having an interest in Japan? Voilà, donc ici, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir vous intéresser au Japon? Voilà, au pays. Voilà, vous pouvez dire que depuis plus petit, depuis mon enfance, depuis mon enfance, j'ai toujours souhaité étudier au Japon et apprendre
la langue japonaise. Voilà, et apprendre la langue japonaise et surtout la culture et surtout leur culture. Voilà, voilà, vous pouvez mettre ça comme ça, c'est tout. Et puis ici, what kind of thing do you think you can contribute to Japan and your home country from your experience of studying in Japan? Donc ici, on vous demande, lorsque vous allez étudier au Japon, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apprendre là-bas et venir les appliquer dans votre pays? Donc ici, vous essayez d'expliquer un peu, je vais vous donner un peu des aperçus, vous essayez d'expliquer un peu que le Japon est un pays qui est vraiment développé en termes de technologie. Voilà, alors vous voulez aller au Japon pour aller apprendre et vous informer pour approfondir vos connaissances en ce qui concerne la technologie, voilà, en ce qui concerne la technologie et tout ça, et venir et revenir dans votre pays pour pouvoir les exercer. Voilà, donc vous pouvez écrire ceci là. Voilà, ce sont des idées que je vous donne, mais essayez de choisir vos idées pour pouvoir les faire. Donc ici, langue japonais, read, non, vous ne savez rien, writing, non, et puis speaking aussi, non, listening aussi, non, anglais, reading, yes, writing, yes, speaking, non, listening aussi, yes, voilà, voilà, s'il y a autre aussi, vous mettez français. Français, là, c'est nous sommes champions, donc c'est yes, yes, yes. S'ils veulent qu'ils mettent ce qu'ils veulent, c'est yes. Voilà, ou bien, ah, ils ont spécifié ici, donc on va changer. Voilà, ici, vous mettez par exemple comme ça, fear, au second aussi, fear. Ils ont spécifié ce que vous devez mettre. Vous devez mettre juste en bas, voilà. Ah, il y a pour même, donc on va mettre pour parce qu'en japonais, nous sommes vraiment pour. Donc ici pour, ici aussi pour. Pour, ça veut dire que c'est en réalité ça veut c'est pauvre, mais ici ça veut dire que vous ne savez rien. Voilà, vous êtes pauvre en langue japonaise. Ici, en anglais, j'aime le good. Voilà. Et ici aussi, writing, j'aime le good. Et speaking, je vais mettre par exemple comme ça, fear. Fear, c'est juste 3 sur... Listening, good. Ok, French, nous sommes champions, donc c'est good ici aussi. Good là aussi, même s'ils veulent qu'ils mettent, si on boit, on va mettre good. Good. Ok. Ici, language, Japanese language qualifications. Vous n'avez pas de qualification en langue, donc c'est pas la peine. Voilà. Et ici, English language qualification. Si vous avez le TOEFL ou bien IELTS, voilà, vous pouvez mettre. Si vous n'avez pas, c'est pas la peine de remplir ici. Voilà. Donc, contact person in your home country in case of emergency. Donc, vous devez mettre le contact d'une personne dans votre pays. Au cas où vous avez un souci, au cas où vous avez des urgences, donc vous pouvez mettre votre père par exemple comme ça, son nom et prénom. Voilà, et vous mettez c'est qui, il est qui pour vous, il est votre père ou bien votre mère ou bien votre frère. Voilà, donc son adresse aussi, vous mettez son adresse. Abidjan. N'oubliez pas, je mets les adresses comme ci et comme ça, mais vous devez mettre votre adresse. Ok, et il travaille où? Il est
par exemple éducateur, vous mettez éducateur. Ok, phone number, son numéro de téléphone, plus 225 5 20 20. Ok, son email, vous mettez son email aussi. Vous mettez son email, le mail de votre père. Voilà. Vous mettez le mail de votre père. Donc ici vous mettez le mail de votre père. Ok, je crois que c'est la dernière partie. Donc past visitor or stay in Japan, list from your most recent visit. Ici c'est si vous avez déjà visité le Japon, vous mettez là. Dans le cas contraire, vous ne remplissez pas. Voilà, ici on dit I understand and accept all conditions state in the application guideline for Japan government scholarship for and happen confirmation and of my qualification for application has state above, I will be apply for this scholarship. Donc vous mettez votre signature là, voilà, et vous mettez la date à laquelle vous avez postulé là, voilà. Donc c'est ainsi. Donc une fois que vous finissez, vous remplissez, voilà, vous tirez, c'est à dire vous imprimez et puis vous associez aux documents pour pouvoir Donc une fois que vous avez fini de remplir ces éléments là, voilà, vous prenez cet élément et vous allez compléter aussi votre lettre de recommandation. N'oubliez pas, la lettre de recommandation se trouve sur le site, voilà. Vous complétez votre lettre de recommandation et aussi le certificat médical aussi se trouve sur le site. Vous téléchargez, vous allez avec cette fiche là-bas dans une clinique ou bien l'hôpital général pour vous faire examiner et regarder la liste des éléments qui sont dessus pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir les faire et faire signer cela, cacheter et tout, parce que c'est ce qui est très important pour eux, n'oubliez pas. Donc voilà les gars, c'est une vidéo qui est un peu plus longue, voilà, je sens la fatigue. Donc donnez-moi un pouce bleu, voilà, nous avons un groupe WhatsApp pour du coaching. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous venez vous intégrer le groupe et on vous suit de près pour toutes les bourses que je vais mettre en ligne. Je rappelle très bien, s'il vous plaît, regardez bien cette vidéo, ne venez pas reposer les mêmes questions, parce que c'est lorsque vous posez les mêmes questions que je ne regarde pas vos messages, vous comprenez, voilà. Donc merci, voilà, partagez ma vidéo et c'était moi du Sam Hospital. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. C'est vraiment un grand plaisir et je remercie tous ceux qui me soutiennent. Et merci beaucoup. À plus.